édifié complètement à l'ouest de la région de Macédoine, à côté de l'ancienne ville de Kilitron, la ville de Castoria laisse sa beauté se refléter dans son lac serein. Sa position géographique et le fait qu'elle soit protégée naturellement de l'agresseur sont deux éléments qui ont joué un rôle déterminant dans son évolution et qui ont fait de cette ville un des centres financiers et culturels les plus importants de la Macédoine de l'Ouest. Comme d'autres villes byzantines, la ville de Castoria au XIIe siècle présente une longue période de prospérité, tandis qu'elle connaît un essor particulier au XVIIe siècle grâce au commerce de fourrures. Durant sa longue histoire, la ville connaît plusieurs raids et est envahie par les Bulgares, les Normands, les Serbes et les Turcs. Mais elle réussit à garder vivants les éléments grecs et orthodoxes. C'est ce dont témoignent plus de 70 églises byzantines et postes byzantines que le visiteur peut rencontrer à chaque coin de la ville. Ces églises, dont l'architecture et la décoration intérieure témoignent d'une technique supérieure, transforme la ville de Castoria en un musée vivant de civilisation byzantine, en faisant d'elle une des destinations religieuses préférées en Grèce.